13 Ghosts est un jeu minimaliste de déduction et de bluff. Les joueurs doivent retrouver quelle carte se cache dans la crypte de leur adversaire, tout en gardant la leur secrète. Cette règle concerne la version 2 joueurs. Le paquet de cartes fantômes est mélangé et placé au centre de la table. Chaque joueur pioche 2 cartes et en pose une devant lui face cachée. Cette carte constitue sa crypte. La carte restante reste en main. Dans 13 Ghosts, un tour est séparé en 2 phases. Une phase d'action, une phase de pioche. Lors de la phase d'action, le joueur actif pose la carte qu'il a en main. Il peut la jouer. Phase visible, pour activer ses capacités. Les capacités permettent généralement d'en apprendre plus sur la crypte de son adversaire. Phase cachée, pour attaquer. Le joueur annonce un chiffre entre 1 et 13. S'il s'agit de la carte présente dans la crypte de son adversaire, il élimine et gagne la manche. Sinon, le jeu continue. Lors de la phase de pioche, le joueur pioche une nouvelle carte. Le tour passe ensuite au joueur suivant. Le joueur qui trouve la carte qui se trouve dans la crypte de son adversaire, grâce à une attaque, gagne immédiatement la manche. Il prend un jeton. Le premier à 3 jetons remporte la partie.